Cet épisode commence avec Fazilet, qui est inquiète de ce qui s'est passé avec Yaji et SC, lorsqu'elle voit la voiture de ce dernier arriver. Elle prend la main de sa fille, et lui demande ce qui s'est passé. SC lui dit que tout va bien, et Fazilet lui demande pourquoi Yaji n'a pas voulu qu'elle vienne. Hasan dit à sa mère d'arrêter avec les questions, et de laisser SC tranquille, et celle-ci s'en va dans sa chambre. Une fois à l'intérieur de la maison, Yaji tombe sur Kerim, et celle-ci lui demande si elle lui prépare quelque chose à manger. Celui-ci ne lui répond pas, et lui dit qu'ils vont discuter plus tard, et s'en va. Une fois Yaji parti, Kerim dit qu'il se passe quelque chose, et est inquiète. Dehors, Fazilet dit à Hasan qu'elle sait qu'il s'est passé quelque chose sur place, et dit qu'elle sait qu'ils ont fait quelque chose à sa fille, et Hasan ne veut rien lui dire. De son côté, Yazin est assis à l'extérieur de la maison, et repense à sa dernière conversation avec Ogu. À l'intérieur de la maison, Céline est en train de le regarder, et ne comprend pas pourquoi il est dans cet état. Elle finit par venir le voir, et lui demande pourquoi il est dans cet état, et lui demande ensuite s'il devait demander la permission à son ami Ogu, avant de se marier. Alors Yazin se lève, et lui dit qu'elle a voulu ce mariage, pour se venger de son père, et dit qu'il est mort actuellement, et il ne voit pas pourquoi ils doivent continuer cela, et dit à Céline qu'ils doivent divorcer, et dit qu'ils vont aller annuler les papiers dès demain, et il s'en va. Alors, Céline se met à le suivre, et dit qu'il ne peut pas lui faire cela, et dit qu'elle ne veut pas divorcer. Alors, Sucrier vient l'arrêter, et la ramène à l'intérieur de la maison. Dans la chambre, Fazilet est inquiet de savoir ce qu'ils ont pu bien faire sur sa fille, et lui demande si elle est sûre qu'ils n'ont pas fait un test de paternité. Essé lui dit qu'elle ne pense pas, et demande à sa mère de se calmer, et dit qu'ils ont fait uniquement des examens de routine. De son côté, Kerim est inquiet de ce que vient de lui dire Yaji, car Sinan lui a dit la même chose. Elle dit qu'il s'en doute de quelque chose, et décide d'aller le voir, avec une tasse de café. De son côté, Hasan vient voir Yaji, et entre dans sa chambre sans frapper. Elle dit à Yaji qu'elle n'en revient pas qu'il a pu faire cela à sa sœur, et lui dit qu'elle n'est pas sûre de pouvoir garder le secret plus longtemps. Yaji lui dit qu'elle a fait la même chose, en lui cachant que Kerim avait les coupures de journaux d'eux au fond de son lit, et Hasan lui dit qu'elle essayait juste de savoir le pourquoi avant de le faire. Elle dit ensuite qu'elle n'est pas comme eux, et dit qu'elle ne peut pas mentir à sa sœur plus longtemps. Alors Kerim, qui apportait du café à Yaji, entend leur conversation, et s'en va. Après avoir ainsi parlé, Hasan s'en va à son tour. En soirée, Gokhan est sur la tombe de son père, et lui dit qu'il est désolé, mais qu'ils doivent faire cela. Puis, les hommes arrivent, et se mettent à déterrer le cadavre de leur père, et finissent par prélever un échantillon pour le test de paternité. De son côté, Fazilet entre dans sa chambre, et voit Kerim à l'intérieur. Kerim lui dit qu'elle est venue lui parler de sa fille, et dit qu'elle ne devrait pas se mêler des choses qui ne la regardent pas. Elle dit ensuite que Hasan a découvert les coupures de journaux, et les a montrées au garçon. Fazilet lui dit qu'elle est bête, et demande comment elle a pu les laisser sur place, en venant à la résidence, et lui demande de ne pas menacer sa fille. Elle demande ensuite à Kerim de réfléchir, et est étonnée qu'elle puisse avoir un cerveau aussi lent à réfléchir. Elle dit à Kerim que la personne qui l'empêchait de dire toute la vérité est morte, et dit qu'elle n'a qu'à réunir les garçons et les dire toute la vérité. Elle dit ensuite qu'elle peut également faire un test de paternité, et dit qu'ils vivent actuellement dans la résidence, et n'a besoin que d'une mèche de cheveux. Au téléphone, Gokhan dit à Yaji que tout est fait. Hasan l'observe à distance, et décide de venir le voir. Hasan lui demande combien de temps la procédure va durer, et dit qu'elle n'aime pas avoir des secrets pour sa famille. Il dit qu'ils auront les résultats demain, et elle lui demande pourquoi il fait tout cela. Il dit que son père était leur héros depuis leur enfance,
et dit qu'il ne permettra pas que sa mémoire soit salie, et dit qu'il ne laissera pas un enfant, qui n'est pas de son père, porter le nom Engamen. Il dit que ce nom est le leur, et ne laissera jamais que cela soit foulé de la sorte, et s'en va. De son côté, Yasin est dans un bar, et est en train de boire. Puis il frappe à la porte d'Ogu, et s'agrippe sur lui, en lui disant qu'Essé est enceinte. Ogu lui dit que cela est normal, et dit qu'elle est mariée. Yasin se met à pleurer, et dit que cet homme l'a touchée. De son côté, Céline est devant la fenêtre, et est triste. Sucrier vient la voir, et elles se mettent à discuter. De son côté, Yaji observe Hasan seul dans le jardin, et décide d'appeler Sinan. Sinan rejette son appel, et va plutôt discuter avec le propriétaire du bateau, dans lequel il a passé la nuit une fois avec Hasan. Yaji décide de revenir la voir, et lui demande si elle attend Sinan. Elle lui dit non, et trouve qu'il se comporte bizarrement avec elle ces derniers temps. Puis ils se mettent à discuter d'amour, et Hasan lui dit ce que l'amour représente pour elle, et ce qu'elle ressent pour Sinan. Yaji lui dit qu'elle devrait courir lui dire qu'elle l'aime, et Hasan lui dit que cela n'est pas simple de la sorte. Elle lui dit comment l'amour doit être, et lui dit que c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas pardonner à son frère. Elle dit qu'elle sait qu'il ne peut pas comprendre, car il est un homme froid, qui n'a jamais été amoureux. Elle dit ensuite qu'elle sait que pour lui l'amour est une blague, et dit qu'elle doit s'en aller. Yaji lui dit qu'il connaît un peu l'amour, et dit que cela est une grosse perte de temps, et Hasan s'en va. Une fois parti, il dit qu'il connaît l'amour, et qu'il ne la vit pas, parce qu'il a peur de souffrir. De son côté, Sinan est sur le bateau, et est en train de discuter avec son propriétaire. Celui-ci dit à Sinan que l'eau a tendance à parler aux hommes, et lui dit qu'il suffit de l'écouter. Sinan lui dit qu'il est dans un gros dilemme, avec son amoureuse d'un côté, et son frère de l'autre. De son côté, Céline est en train d'attendre le retour de son mari, lorsque celui-ci vient avec Ogu, et Céline lui demande ce qui s'est passé. Il dit qu'il est venu le voir dans cet état, et Céline le récupère, et l'amène dans la chambre. Une fois sur place, il se met à appeler Essé, et Céline lui dit qu'elle est là, et dit qu'elle ne l'abandonnera jamais. Alors, il la regarde dans les yeux, la confond à Essé, et se met à l'embrasser. De l'autre côté, Essé est en train de dormir, et Hasan est en train de veiller sur elle, et lui dit qu'elle sera toujours là pour elle. Puis Essé se réveille brusquement, et sa sœur lui demande si elle a fait un cauchemar. Elle se met à pleurer, et prend Hasan dans ses bras. Le lendemain matin, les servantes sont à la cuisine, et sont en train de lire le journal. Fazileh vient à leur rencontre, et les demande ce qui peut les passionner autant, jusqu'à les empêcher de travailler. Elle prend le journal, et est blessée par les propos qu'il relègue. En effet, le journal dit qu'Essé est enceinte, et qu'il se peut que l'enfant ne soit pas celui d'Azim Engamen. Voyant cela, Fazileh est en colère, et se dirige vers la chambre de Yaji. De son côté, Yasmin appelle son ami journaliste, et est en colère contre lui. Elle lui dit qu'il n'a pas bien fait son travail, et n'a pas rédigé l'article, comme il le fallait. Pendant qu'elle discutait, Gokhan entre, et est étonné de ce qu'il vient d'entendre. Il demande à sa femme, pourquoi elle a fait cela, et celle-ci essaie de s'expliquer en vain. De son côté, Fazileh entre brusquement dans la chambre de Yaji, et lui demande les comptes, pour ce qu'elle vient de voir dans la presse. Elle lui dit que cela est son œuvre, et celui-ci lui demande de baisser le ton, et il dit qu'il n'a rien à voir avec ses commérages. Hasan et Essé qui étaient dans les escaliers, viennent dans sa chambre, et Essé demande ce qui se passe. Sa mère lui dit qu'il n'y a rien, ne voulant pas que sa fille lise cela. Mais, Yaji lui demande de prendre le journal, et Essé manque de faire un malaise, lorsqu'elle a lu ce qui est écrit sur elle. Fazileh décide alors de la ramener dans sa chambre, et Sinan les demande ce qui se passe. Fazileh lui dit qu'il n'a qu'à les demander à son frère. De l'autre côté, Yaji rejoint Gokhan, et est fâché contre Yasmin, lui demandant si elle ne pouvait pas attendre quelques minutes de plus. Sinan qui les a également rejoints, les demande ce qui se passe. De son côté, Kerim est en train de réfléchir sur la probabilité de faire un test de paternité à ses garçons, bien qu'elle pense qu'elle n'aura pas assez de moyens pour le faire.
elle finit par se décider et entre dans la chambre de Sinan, à la recherche d'un peigne ou d'un cheveu. Elle trouve un peigne dans un tiroir, le met dans un sac en plastique et sort. De l'autre côté, Fazilet est en colère et dit que les choses ne vont pas se passer comme cela et dit qu'ils vont payer pour ce qu'ils sont en train de faire endurer à sa fille. Alors, Hasan essaie d'intervenir auprès de sa sœur et Fazilet lui demande de sortir. Hasan demande à sa mère pourquoi elle n'a pas le droit de discuter avec sa sœur. Fazilet ne l'écoute pas et la met dehors. Une fois dehors, elle décide d'aller dans la chambre de Yaji pour discuter avec lui sur le sujet. Une fois sur place, elle rencontre Kerim, qui est en train de chercher une mèche de cheveux de Yaji pour le test. Hasan essaie d'arracher son sac et lui demande ce qu'elle fait là et lui demande de ne pas lui mentir. De leur côté, Yaji essaie de faire un topo à Sinan et celui-ci n'est pas d'accord avec eux et les qualifie d'égoïstes et trouve qu'ils le font pour de l'argent. Yaji dit qu'ils le font pour l'honneur de leur père. Pendant qu'ils discutaient, la servante arrive et Yasmine lui crie dessus et dit qu'ils sont en pleine discussion. Elle dit qu'elle est désolée et dit qu'il y a quelqu'un dehors qui demande après Gokhan ou Yaji. Pendant ce temps, Kerim finit par dire son secret à Hasan et lui dit qu'elle est une mère et dit que l'un des deux garçons ici présents est son fils et Hasan est sous le choc en apprenant cela. De l'autre côté, Yaji récupère la lettre et l'ouvre. Il lit le contenu et dit aux autres qu'ils n'auront pas de frère ou de sœur et dit que le test est négatif. C'est déjà terminé pour cet épisode de votre série préférée, Madame Fazilet et ses filles. Abonnez-vous et likez la vidéo si cela vous a plu et à bientôt sur Honnête TV pour un nouvel épisode.